ora koutou card oh i think i might have just did i i've, un I've done something to my headset that's all right we just going to at the cable um, i think that do you want to sit in groups of like companies governments so just mix it up yep just take a seat wherever you like by any method that you would like one two three four five six seven eight Well then, you. Well, I'm sitting here, so I so I can see the whole panel. So, yeah, I am going to do that. And the only person that we're missing is the German German government. Uh, the German. Right. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. If you please take your seats in the room. Welcome to the panelists. Welcome to you all in the room, Kyoto uh, Kato. Welcome to this session on uh, addressing terrorist and violent extremist content online. Donc, euh, soyez les bienvenus. À... Maintenant, notre sujet sera la gestion de contenus terroristes et violents en ligne. C'est un grand plaisir pour moi de d'animer ce groupe, ce panel. Et bien évidemment, on va prévoir suffisamment de temps pour vos questions et pour vos commentaires. Ah voilà encore un participant qui arrive. donc voici les participants de ce groupe euh, on a prévu une petite introduction les intervenants vont se présenter eux mêmes puis euh, euh, on a prévu deux parties principales tout d'abord on va parler sur les responsabilités et les réponses éventuelles. La question est la suivante. Quelles sont les responsabilités des acteurs et quelles réponses est-ce qu'ils peuvent donner au public Deuxième sujet, les droits et les risques. Quels sont donc les risques s'ils existent et quels sont les droits qui sont en question Et puis, on a prévu 20 minutes, 25 minutes pour des questions. Et après, on va demander à tous les participants um, de questions de conclusion. Quelles sont vos réactions politiques et quel rôle peuvent jouer um, la société civile et les autres acteurs Tout le monde sera convaincu qu'Internet est une possibilité extraordinaire. Il nous permet de communiquer rapidement, d'échanger sur les réseaux sociaux, d'agir sur les plateformes, de diffuser des informations à une rapidité inouïe. Mais tout cela comporte... Et également des problèmes, à savoir des contenus terroristes et violents. Nous avons fait des expériences, des expériences très négatives, à savoir les attaques terroristes qui ont survenu en mars à Christchurch, qui ont causé la mort d'une cinquantaine de personnes. Et il faut également parler dans ce contexte des attaques qui sont survenues à New York en 2001. Internet euh, offre de nouvelles possibilités euh, pour diffuser euh, ces informations euh, négatives. Donc ça, c'est le contenu euh, en quelques mots euh, uniquement pour décrire le contexte. Donc maintenant, j'aimerais euh, demander euh, à tout un chacun euh, de vous présenter brièvement euh, pendant 25 secondes. Et puis, on va... Attaquer. Donc s'il vous plaît, veuillez vous utiliser euh, le micro le microphone et vous présenter brièvement. Je m'appelle Alison Lance, je suis la spécial euh, sur la liberté de l'expression de Commission Interaméricaine. Je suis Shelley Sherry Kirk, le conseiller euh, pour euh, des contenus euh, extrémistes en ligne des, euh, des, des États-Unis. Je m'appelle Brian Schiffman. Je suis directeur politique um, chez Facebook. Je travaille dans la lutte antiterroriste. Euh, je suis euh, j'ai étudié euh, les communautés, Je suis euh, Je suis euh, scientifique. Euh, je travaille euh, à Sri Lanka. Bonjour, je m'appelle Paul H. je suis, euh, je travaille auprès du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande et je me concentre notamment sur la cybersécurité et euh, les questions de sécurité sur Internet. Bonjour, je m'appelle Courtney Gregoire, je travaille chez Microsoft, euh, je travaille notamment euh, sur les contenus dangereux. Bonjour, je m'appelle Pil Choi, je viens du Corée de la Corée du Sud et aujourd'hui, je vais notamment parler de la politique qui est poursuivie en Corée du Sud. Bonjour, je m'appelle Gat Pelen, je suis secrétaire d'État auprès du ministère fédéral de la Justice et de la Protection des Consommateurs. Je suis entre autres responsable du suivi euh, des activités sur les réseaux, euh, réseaux sociaux et la lutte antiterroriste. Et à mon avis, euh, c'est une euh, discussion très importante euh, que nous devons mener aujourd'hui. Je, je m'appelle Keongyeong sing Pak. Je suis professeur euh, à l'Université euh, de Corée. J'ai participé euh, à la rédaction des principes. Euh, De Manille. Merci beaucoup à tous les intervenants euh, d'avoir vous in introduit, de vous avoir présenté. Je vais donc animer ce débat. Euh, donc je veux, je vous demande de bien vouloir respecter le temps de parole. Euh, donc euh, et veuillez m'excuser. Euh, Dès à présent, de réagir vivement euh, si nous ne respectez pas le temps de parole. Donc, euh, nous avons invité la Première ministre de la Nouvelle-Zélande euh, de participer à ce panel. Elle malheureusement, euh, elle ne peut pas venir personnellement, mais elle a enregistré un message vidéo. Internet euh, est une force, euh, un pouvoir extraordinaire qui nous permet de nous réunir les individus les entreprises les acteurs sociaux etc et je pense nous devons vraiment nous concentrer sur les bienfaits d'internet sur les aspects positifs les technologies de communication sur internet nous confèrent un nouveau pouvoir mais malheureusement, les effets d'internet ne sont pas exclusivement positifs. nous l'avons vu en nouvelle-zélande après les attaques perpétrées à christchurch. et ce qui a encore aggravé l'horreur de ces attaques a été le fait que il y avait un stream en ligne qui a transmis ces attaques partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment est-ce qu'on va réagir? Eh bien, nous avons adopté une perspective commune et euh, conjointement avec la France, nous avons adopté l'appel de Christchurch afin de nous opposer aux contenus terroristes et dangereux qui sont diffusés sur Internet parce qu'ils ont un effet néfaste. Ceci dit, il est prioritaire de maintenir le caractère ouvert et libre d'Internet. Je suis fière des acquis que nous avons tenus jusqu'à présent. Plus d'une quarantaine de pays supporté, se sont ralliés à cet appel, mais nous sommes tous d'accord qu'on ne peut pas résoudre ce, ce problème en ligne. Nous nous avons également fait participer des sociétés, la société civile, des acteurs du secteur privé afin d'identifier des lignes directrices. Cet appel de Christchurch a vu le jour dans une phase extrêmement difficile parce que nous sommes confrontés à des défis énormes qui, dans le contexte des contenus haineux, des contenus terroristes qu'on trouve sur Internet. Il y a des discours de haine, des informations erronées, etc. Il faut vraiment activement s'opposer à tout cela. Vous le savez tous, la Nouvelle-Zélande est un tout petit pays. Nous pouvons certes adopter des lois pour notre pays, mais on ne peut pas résoudre les problèmes euh, qu'on rencontre au niveau mondial. Pour cela, nous avons besoin de formats internationaux. Les valeurs qui nous unissent, ce sont les droits de l'homme. La législation internationale antiterroriste. Nous avons besoin d'un internet ouvert global pour tirer le maximum de bénéfices de ce caractère, de cette interconnectivité. Et pour cela, les gouvernements et les entreprises des technologies d'information doivent coopérer activement. L'appel de Christchurch est un appel à l'action et rien d'autre. Nous lançant un appel de trouver des solutions concrètes contre les terroristes, contre la diffusion de discours de haine en ligne. Il reste beaucoup à faire. Cela est vrai pour la Nouvelle-Zélande et pour le reste du monde. Je vous remercie de participer activement à cette discussion. Je pense que le monde de demain est un beau monde, mais il reste énormément d'affaires. Et il faut pour cela coopérer activement. Je vous remercie. Voilà. La première ministre a mentionné l'appel de Christchurch que vous pouvez consulter sur en ligne. Je suis sûre qu'on va en parler encore plus tard. La première partie de notre discussion est euh, consacrée aux responsabilités et aux réponses. Commençons par euh, M. Parks. Quelles sont les responsabilités que doivent assumer les entreprises? Vous, vous avez. Euh, vraiment souligné qu'on a très peu de temps à notre disposition, donc je vais essayer d'être bref. Les contenus terroristes et violents, à mon avis, c'est une notion erronée parce qu'il y a ces contenus en ligne et hors ligne. Il y a énormément de violence en ligne, mais également hors ligne. Pensez au film Clockwork Orange, la Cour suprême des États-Unis adapté à la décision Stevens, la, la, la décision Brown. Dans ce contexte, il s'agissait de jeux vidéo violents et ces jeux ont été interdits. La Cour a dit qu'on peut interdire ces jeux violents que s'il si y a des dangers concrets qui sont... Dû à ces jeux vidéo. À mon avis, quand on parle de contenu violent et de contenu extrémiste, et quand on pense vraiment au discours de haine, il faut prévoir des limites qui sont ancrées dans les juridictions nationales. On a fait énormément de recherches dans ce contexte, mais il y a toujours des questions qui sont en suspens. Selon les Nations Unies, les discours de haine sont considérés, sont considérés comme la promotion de la haine, la promotion de diffamation à cause de la race, à cause du sexe, de la religion, etc. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement Est-ce que est -ce qu si dans ce contexte à des attitudes malveillantes, à... qu'est-ce que cela signifie concrètement quand on a un discours de la haine qui n'incite pas à des actions violentes ou à la suppression de groupes marginalisés, est-ce qu'il s'agit toujours de discours de haine de discours haineux. Et qu'en est-il des organisations qui incitent à la violence, qui diffusent des euh, discours haineux Une fois adhérés à ces organisations, est-ce qu'on est déjà coupable de ces actes Bon, là, apparemment, j'ai posé plus de questions que je n'ai donné de réponses. Merci pour. Euh, ce début très provocateur. Bon, maintenant, plusieurs acteurs vont prendre la parole, c'est-à-dire des représentants des gouvernements, de la société civile. Et moi, je voudrais vous demander de bien vouloir réfléchir sur la responsabilité dont il est question dans votre domaine précis. Et si euh, jamais vous avez euh, des positions controverses, des, des... veuillez nous en faire part. Hein. Donc continuez avant que les représentants des gouvernements. Monsieur Paul Esch, de la Nouvelle-Zélande. Merci, euh, de, merci de m'avoir donné la parole. La première ministre a déjà mentionné hein, quelque chose de très central. Elle a dit que. La Nouvelle-Zélande euh, croyait constaté qu'il est impossible d'agir tout seul. Bien évidemment, on peut adopter des législations au niveau national, mais après les attaques de Christchurch, on avait vraiment besoin de nous pencher euh, sur les différentes options qui sont à notre disposition et d'adopter une approche très prudente. Donc, euh, il fallait... À renoncer à des actions précipitées, notamment en termes de législation, parce qu'il fallait tout d'abord rassembler un maximum d'informations pour optimiser la coopération et pour, à terme, arriver à une meilleure législation. Nous étions convaincus que... Nous nous trouvions dans une situation extrêmement difficile parce qu'on a encore trop peu de d'informations à notre disposition pour pouvoir réagir correctement. Parce qu'il faut également euh, prendre en considération que de nouvelles régulations peuvent toujours avoir un effet néfaste. C'est également la raison pour laquelle nous avons lancé cet appel de Christchurch qui s'était fixé comme objectif hein, de répondre à une question concrète une personne a tué 51 une personne qui était en train de prier très paisiblement il a diffusé ses actes ces actes violentes dans le monde entier donc ces plateformes ont été abusées à cette fin c'est la raison pour laquelle nous nous sommes adressés à d'autres gouvernements qui pensent également qu'il est primordial d'améliorer les mécanismes de sécurité. Et dans ce contexte, il est très important de réunir différentes perspectives des acteurs de la société civile. D'un côté, nous avons le droit à la liberté de l'expression. De l'autre côté, nous avons les groupes qui défendent les intérêts des victimes. Et il faut d'une manière ou de l'autre concilier ces, les intérêts de ces c'est donc ainsi que nous avons décidé de lancer l'appel à l'action de christchurch et là il s'agit également de réfléchir sur le rôle traditionnel des gouvernements c'est-à-dire la défense des intérêts des citoyens la défense du contrat social et de faire en sorte que notre fonction en tant que démocratie libérale assume leurs responsabilités parce que ce sont nous nous sommes ceux qui luttent en faveur du droit international et pour le respect de cette législation. En même temps, nous avons coopéré avec tous ceux qui sont prêts à assumer leurs responsabilités, à savoir les entreprises. Nous avons besoin d'outils qui peuvent utiliser pour éviter la diffusion de ces contenus. Et dans cet appel, nous avons également mis l'accent sur la nécessité de coopérer. Ça, c'est essentiel pour nous. Nous avons tiré énormément de leçons de notre passé et cela est également vrai pour les entreprises et pour la société civile qui nous donne des informations précieuses. Il n'y a pas de panacée, pas de solution miracle qui est capable de jouer un rôle de médiateur entre tous les acteurs. Donc il faut toujours faire un, un, un effort pour bien se comprendre mutuellement. Merci Paul. Maintenant je donne la parole à Monsieur Belen, secrétaire d'État. Quel est l'objectif principal hein, de, ces de ces contenus? Nous avons. vu qu'il y a des financements extraordinaires qui sont à disposition des terroristes. Ce sont des terroristes qui essaient d'attaquer notre système démocratique, qui essaient de s'opposer à notre façon de coexister. Et ces terroristes essaient de s'attaquer, d'attaquer des individus, notamment des journalistes, notamment les femmes, des mères, donc ceux qui s'engagent en faveur de la société civile et ceux qui représentent les différentes, les différentes religions. Et ils veulent faire taire ces individus, ces personnes. Ils veulent faire en sorte qu'ils ne peuvent plus faire valoir leurs droits. Et là, nous devons commencer à réfléchir sur les mesures que nous pouvons euh, prendre pour freiner ces terroristes. Et quelques, il y a quelques années, nous avons lancé euh, ce processus. Nous avons demandé aux réseaux sociaux, on leur posait la question de savoir qu'est-ce que vous faites concrètement, qu'est-ce que vous allez changer. Et euh, à l'époque, les réseaux sociaux nous disaient, nous sommes des entreprises technologiques, nous sommes des entreprises, des pures entreprises. Et nous avons constaté qu'elles ne sont pas uniquement des économies purement économiques, mais ils ont un effet immédiat sur la société civile. Parce que chaque forme d'abus qui est commis sur ces plateformes euh, a un effet direct sur notre vie quotidienne. Donc qu'est-ce qu'on peut faire Et les plateformes ont, nous ont dit euh, qui vont euh, effacer euh, toutes sortes d'expressions de crimes qui incitent à la haine. En fait, euh, en Allemagne, on a. Une notion juridique un peu différente. Donc en Allemagne, par exemple, il est interdit de nier l'existence de, 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 de l'Holocauste. De, de Donc si jamais quelqu'un euh, nie euh, ce, ce fait, il sera condamné à la prison. Donc euh, les plateformes ont décidé deux choses. Premièrement, ils ont identifié des normes, des réglementations. Euh, qui permettent d'effacer des contenus illicites dans l'espace de 24 heures. Puis après, nous avons essayé de nous plaindre auprès des plateformes, auprès des réseaux sociaux. C'est-à-dire, nous avons chargé une entreprise experte. qui a envoyé des plaintes à Facebook, Twitter et Google. Et effectivement, ces plaintes ont eu un écho très positif. Et effectivement, ces contenus ont été affaissés. Mais si moi, en tant que citoyen si euh, je me plains auprès de ces entreprises, il n'y aura aucune réaction. Donc cela est quand même très révélateur. Après, nous avons adapté une nouvelle législation selon laquelle les plateformes sont obligées d'adopter des normes de transparence. Il faut donc euh, nous dire euh, combien de plaintes euh, sont exprimées, euh, combien de contenus sont effacés, etc. Et cela, euh, nous avons demandé de nous fournir des chiffres concrets, des données connues, pour savoir s'il y a une gestion concrète. pour le traitement de ces problèmes. Et à mon avis, euh, euh, j'ai eu l'impression que chez Twitter, ce système n'est pas encore très opérationnel. Il y a trop peu d'expérience. Et à ce moment-là, nous avons pris une décision très claire. La base juridique pour l'effacement de ces contenus doit être trouvés dans nos textes juridiques, dans nos textes légaux. Et on ne parle pas de la proportionnalité. Hein. Nous vivons tous dans une démocratie et personne ne peut adopter des règles privées, de, des législations privées. C'est une mission qui incombe uniquement au Parlement. Donc par conséquent, il faut rendre les plateformes plus transparentes. Et si jamais il y a un contenu illicite qui est détecté, ces contenus doivent être effacés immédiatement. Nous devons assurer un meilleur suivi de ces activités et conjointement avec le gouvernement français, nous avons décidé de rédiger un rapport pour l'Union européenne et qu'il faut notamment nous décider qu'il faut agir au niveau européen parce que ça, c'est le niveau approprié pour adopter les règles adéquates. L'Union européenne va adapter une législation sur les services numériques. Et nous, il faut également réfléchir aux Directives sur, sur le commerce en ligne. Les directives existantes concernant le commerce en ligne euh, ne suffisent pas. Deuxièmement, il est primordial de défendre les victimes, de renforcer la position. Il y a des menaces euh, sur Internet qui, qui sont diffusées sur Internet, mais tout cela se passe également hors ligne. Et très souvent, quand on s'adresse à la police, ils nous disent que bon, tout ça passe uniquement sur Internet. Mais on a fait de très mauvaises expériences en Allemagne en printemps de cette année, au printemps de cette année, lorsqu'un un politicien a été tué par quelqu'un qui a trouvé ses données personnelles sur, un, sur Internet et qui s'était radicalisé en ligne, dans l'Internet. Donc ici, nous ne parlons pas uniquement de l'effacement de données, mais également du soutien que nous devons offrir aux personnes menacées. Il y a par exemple certains journalistes qui ne peuvent plus euh, quitter leur résidence ou qui doivent changer de résidence parce que leurs données personnelles sont en ligne. Puis après, il faut détecter les réseaux qui sont derrière euh, les terroristes, qui soutiennent les terroristes. Et j'ai bientôt fini. En Allemagne, il y a environ 2 millions de personnes qui utilisent Facebook, Twitter et Google. Mais la plupart d'entre eux euh, le font à des fins euh, complètement paisibles. Il y a uniquement... Ce quelques milliers de personnes qui ont des intentions malveillantes et qui souhaitent saper la démocratie et la société. Et j'aimerais vraiment savoir euh, quelles sont les expériences faites par les sociétés civiles des autres pays et quelle est la réaction et la position des, des entreprises. Parce que nous, euh, on se pose la question de savoir comment mettre en œuvre les législations, comment assurer la liberté de l'expression sur Internet, comment protéger ce droit fondamental. Euh, merci. Chérie, Lac, je vous passe la parole. Hein. Merci. Je suis un petit peu enrhumée, euh, donc euh, j'ai un petit problème de voix, mais j'espère que vous allez me comprendre. J'aimerais euh, parler au nom du gouvernement américain et essayer de vous expliquer comment nous y attaquons. Nous poursuivons effectivement une approche holistique qui fait participer également la société civile. Donc nous ne nous concentrons pas uniquement sur l'effacement à court terme des contenus dangereux, mais sur la mise en place d'une résilience générale. Nous disposons d'une toute une série de réglementations. Il y a tout d'abord notre Constitution qui garantit le droit à la liberté d'expression qui est contenu dans le premier amendement. Bien évidemment, il y a aussi l'obligation internationale de respecter les droits de l'homme. Et nous travaillons constamment. pour lutter contre les activités terroristes et en parallèle, nous sommes bien évidemment en faveur de la liberté d'expression et d'opinion. Mais il ne sert à rien d'effacer des contenus tant qu'ils ne sont expressément illicites, tels que la pornographie enfantine, par exemple. Les contenus qui ne présentent uniquement une certaine position idéologique ou une position religieuse, euh, qui très souvent sont des contenus extrémistes ne peuvent ne sont pas forcément illicites donc ils bénéficient de la protection de notre constitution. Un deuxième point que j'aimerais aborder, c'est le fait que nous nous fions euh, que nous nous basons euh, surtout sur la coopération avec les entreprises technologiques. Et ça, c'est pour nous une approche prioritaire. Donc, nous devons soutenir les entreprises à mettre en place leurs propres normes. Donc, bien évidemment, les plateformes ne peuvent ne doivent pas... Euh, donner l'occasion de diffuser des contenus, c'est-à-dire nous devons identifier des tendances et des tactiques terroristes pour bien pouvoir identifier quels sont des contenus terroristes. Et je pense effectivement que nous avons déjà réalisé beaucoup de progrès. Cela est notamment vrai pour le secteur. Je pense par exemple à l'organisation Tech Against Terrorism. C'est une entreprise c'est une association d'entreprises qui sont très active dans la lutte antiterroriste, qui soutiennent également des plateformes de petite taille. Et troisièmement, et ça c'est mon dernier point. Nous pensons que la censure et la suppression de contenu ne sont pas euh, la mesure adéquate pour lutter contre la te le terrorisme, c'est notamment le principe de la liberté d'opinion, d'expression, qu'il faut souligner et défendre. Il faut plutôt opter pour une approche de résilience générale, c'est-à-dire il faut promouvoir une réflexion critique et pour cela nous avons besoin d'une bonne formation, d'une bonne éducation. C'était non seulement dans la société civile, mais également auprès des entreprises. Nous pensons également qu'une interdiction de ces contenus peut avoir des effets contradictoires parce qu'on risque que ces discours haine sont euh, diffusés sur d'autres canaux et cela s'apprête à notre lutte antiterroriste. Certaines institutions euh, abuse ses activités antiterroristes pour euh, cacher d'autres activités. Mais pour nous, l'extrémisme implique aussi des positions radicales de l'extrémisme de droite. Et il y a des anciens adhérents, de, anciens adhérents extrémistes qui nous ont dit que toutes ces activités ne sont pas forcément les meilleures parce qu'ils risquent d'avoir un effet contradictoire. Je voudrais également citer un rapport qui a été élaboré dans ce contexte, la violence et l'extrémisme. Il faut toujours faire attention aux différentes interprétations et définitions qui sont utilisées. Nous, nous opérons une différenciation entre les discours de haine et les incitations à la violence. Nous ne souhaitons pas défendre de pure euh, euh, pensée à moins qu'il ne s'agisse pas d'une incitation concrète à la violence. Merci, merci pour ces trois approches très différentes hein, qui ont été très intéressantes, euh, surtout l'approche sur la constitution et le travail légal. Maintenant, nous aimerions parler de l'approche du secteur privé. Et j'aimerais demander à Eun -Pil Choi de l'entreprise Kakao de Corée de prendre la parole. Merci pour cet agenda pour les entreprises, pour les gouvernements. Il faut prendre en compte le contexte culturel et social. Tout d'abord, nous introduisons notre entreprise. Nous sommes une plateforme qui offre un, une plateforme de réseaux sociaux, un messenger mobile et des services Kakao. Donc, est l'entreprise d'internet coréenne. Ont la responsabilité de s'autoréguler en tant que fournisseur de services et nous devons nous-mêmes protéger notre environnement et notre contenu. Nous devons protéger nos utilisateurs face aux contenus malveillants. Nous essayons de protéger donc nos utilisateurs et le, les contenus créatifs. Même s'il si y a beaucoup de lois et le gouvernement est très inclus en Corée, en Corée du Sud, nous avons le KISO, c'est-à-dire des entreprises coréennes d'Internet qui ont mis en place cela pour protéger les utilisateurs. et pour créer un environnement plus sûr et une organisation de sécurité pour l'Internet en Corée. Il est très important, la participation est très importante, participation volontaire pour empêcher la diffusion de contenus malveillants. Ainsi, Kakao fournit aux utilisateurs la possibilité de mentionner, de signaler les contenus malveillants nous encourageons donc les utilisateurs à participer à ce phénomène d'autorégulation donc et de réglementation et de régulation des contenus on parle maintenant du droit à appliquer notre, nos connaissances et capacités numériques et à créer une meilleure campagne pour un meilleur environnement nous sommes aussi un service similaire à Yahoo c'est-à-dire que nous avons des possibilités d'échanger les opinions, d'échanger les avis, que nos utilisateurs puissent partager leurs avis. Nous offrons des possibilités de commentaires, mais des, il existe des problèmes sociaux critiques et des problèmes civiques provoqués par les utilisateurs qui insèrent des commentaires malveillants. Il faut donc surveiller ce risque social et les possibles dérivés de l'utilisation du service. Nous avons donc annoncé à cette fin la coalition, une coalition sur les informations. Ensuite, nous allons reformer ce service. Nous essayons aussi de répondre rapidement aux changements sociaux et à refléter les avis et opinions des utilisateurs tout en assurant et protégeant les droits des utilisateurs. Nous créons ainsi un meilleur environnement plus sûr. Nous, don nous faisons donc une reformation de ENO. S'appliquons notre responsabilité sociale. Merci, merci. Maintenant, notre prochain orateur sera Brian Fishman qui va parler au nom de Facebook en tant que directeur ici et autant aussi que membre du GIFCT. Merci. J'aimerais présenter une approche ici, l'approche de Facebook et j'aimerais aussi en tant que président du Forum mondial sur Internet. En matière de contre-terrorisme, présenter mon travail dans le cadre de JIFCT, donc de ce forum. Nous voudrions présenter les initiatives majeures ici, avec beaucoup de parties prenantes qui sont dans la salle maintenant. Et nous allons parler aussi de la transition. Maintenant, tout d'abord, pour Facebook. Nous avons certaines politiques face aux organisations terroristes, notamment, ou malveillantes, ou face aux organisations qui promeuvent la haine. Ou les groupes criminels à large échelle. Notre travail ici s'appuie sur cinq vecteurs, cinq piliers. Tout d'abord, le renforcement des normes de notre communauté, le renforcement des services. Deuxièmement, nous nous engageons pour faire appliquer et mettre en œuvre les lois, pour répondre aux demandes pour plus d'informations et faire face aux menaces tangibles de violence et violentes. Troisièmement, nous soutenons les discours contradictoires. Nous avons un nombre de programmes pour soutenir la société civile contre ces messages de haine, ces messages extrémistes. Enfin, quatrièmement, nous regardons comment les utilisateurs du Facebook font face dans le monde réel à des contenus violents, contenus de haine contenu malveillant et essaye de l'autoréguler, de le réguler pour avoir un processus plus sûr et plus facile pour tous. Enfin, nous essayons de fournir des outils. Nous soutenons ici l'industrie, mais je dois dire que il y a c'est un domaine hors con concurrence ici pour beaucoup dans l'industrie. Nous voulons que les autres plateformes puissent apprendre de nos réussites et de nos échecs. Mon équipe donc travaille et au centre du travail de Facebook face à ces cinq piliers. Il y a beaucoup d'équipes régionales, des équipes d'ingénieurs aussi, des équipes opérationnelles qui travaillent et qui travaillent sur ces mesures chaque jour. Mon équipe est plutôt unique parce que nous avons réuni diverses personnes dans Facebook pour présenter une expertise dans ce domaine. Nous coordonnons tous les efforts et nous les, leur donnons une direction. Facebook a plus de 350 personnes qui travaillent avec, contre le terrorisme et les organisations de haine. Cela veut dire qu'il y a plus de 15 000 personnes qui re revoient, qui étudient le contenu de Facebook chaque jour, régulièrement. C'est une échelle qui est extraordinaire, tout simplement. Et j'aimerais bien le concentrer. Nous faisons face à de grands défis, mais pendant très longtemps, je n'ai pas vraiment compris. J'étais vraiment. Une euh, des rares personnes des départs qui ont vraiment commencé à étudier l'État islamique en profondeur. Il y a eu beaucoup de recherches en ligne en 2005, 2006, 2007. J'ai étudié ces éléments, ces recherches, et pendant longtemps, j'ai trouvé que la façon dont les réseaux sociaux faisaient face à ces menaces, face à ces défis, n'était pas suffisante. Et je dois dire que j'aimerais que chaque personne dans cette salle y réfléchisse. Cette année, ces derniers six mois, nous avons supprimé plus de 10 millions de contenus qui violaient notre politique. C'est donc une échelle impressionnante. Notre politique est très claire. Nous ne voulons pas soutenir la représentation de groupes qui sont pour nous dangereux. Mais nous acceptons parfois de la propagande, par exemple de l'État islamique, si elle est partagée par une organisation, par des médias par exemple. Il faut prendre des décisions selon le contexte, selon les cultures. Et cela est particulièrement difficile. C'est difficile pour des êtres humains. Et c'est encore plus difficile pour les machines. Nous avons des machines, des processus d'apprentissage machinel très avancés, l'intelligence artificielle, nous allons en parler rapidement. Mais je pense que c'est quelque chose... Que je, dois vrai, que je veux vraiment transmettre à tous. c'est une des raisons pour laquelle notre politique est applicable dans le monde entier. dans le contexte dans ce contexte il faut tout mettre à l'échelle trouver des réponses à l'échelle des problèmes et créer une infrastructure de mise en œuvre qui peut, puisse répondre au niveau national selon les structures légales mais aussi pour tous les pays. Et combien de pays travaillent déjà aujourd'hui À peu près 200. Mais c'est très difficile de le faire. Il y a de grands défis. Enfin, un autre point nous travaillons aussi dans le cadre du GIFCT, le Forum Internet Mondial contre le, pour le Contre-Terrorisme. Nous avons. Plusieurs mesures que nous avons déjà mis en place, mais nous devons dire que ce forum a été créé il y a environ deux ans, mais l'idée remonte à déjà de longues années. Il y a eu beaucoup de conversations informelles sur les plateformes de technologie à propos du terrorisme. Par exemple, Microsoft, Facebook, Google, Twitter ont voulu se réunir dans ce forum pour partager les meilleures pratiques, pour et les pires pratiques aussi, pour parler de ces sujets. Nous avons partagé ce que nous appelions des, des hashes de ce que nous savions sur le terrorisme. Ce que nous avons appris, ce qui a été fait après l'attaque la, de Christchurch, en réponse à cet appel de Christchurch, nous avons essayé de faire avancer ces efforts, de collaborer plus efficacement depuis à un moment de crise, quand une attaque était en train de se passer en temps réel et était déjà virale en ligne. Nous avons essayé d'identifier cette viralité de cette attaque, de l'attaque de Christchurch. Et nous avons essayé de réagir. C'était une illustration, illustration de la façon dont nous pouvons mieux coordonner, comment nous pouvons mieux échanger, avoir une conversation, trouver les bonnes façons d'agir. Cela était essentiel et était très important. Nous avons donc établi et décidé d'établir ce forum sur la... L'internet mondial, et cela avec des ONG indépendantes. C'était un pivot. Nous étions en milieu d'un processus où nous parlions. Nous sommes allés, nous avons échangé avec des avocats qui ont parlé avec les organisations indépendantes, et nous avons même embauché un directeur exécutif. Au centre ici, nous fournissons donc les financements de cette organisation, et l'industrie fournit. Des financements. Ah, je dois aller un peu plus rapidement. Je voudrais juste présenter deux façons de faire maintenant. Tout d'abord, il y a la gouvernance et l'opération ensuite. Pour la gouvernance, nous avons un laboratoire industriel, donc mené par l'industrie. Mais lorsqu'on parle des menaces pour la sécurité nationale, nous avons besoin de conseils de... D'arguments des gouvernements. Il faut dire donc que les institutions doivent prendre part à cet élément. Ensuite, il faut s'assurer que les droits de l'homme soient respectés par ces gouvernements. Et nous avons besoin de membres de la coalition en ligne pour la liberté. Parallèlement, nous ne pouvons pas avoir des conversations à huis clos. Il nous faut des structures avec la société civile, avec les gouvernements qui sont des équilibres. Nous avons besoin d'avoir de telles conversations. Parfois, certaines conversations doivent avoir lieu dans des petites salles, mais nous avons besoin d'avoir de telles conver conversations. Et c'est l'idée des gouvernements. Nous devons être constructifs ainsi. Nous devons le mettre en œuvre. Nous avons beaucoup de discussions très difficiles, mais c'est l'idée que nous voulons présenter. Enfin, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que nous voulons faire avec de telles organisations. Nous voulons continuer ce qui marche bien. Par exemple, un programme d'entraînement bien formé et efficace pour entraîner nos systèmes. Comment pouvons-nous avoir une approche Comment pouvons-nous avoir une meilleure, un meilleur apprentissage par les machines, une meilleure intelligence artificielle Comment peut-on entraîner tous les personnes qui révisent le système, tous les robots qui révisent le système, les approuver protéger aussi la santé mentale des personnes qui travaillent dans ce domaine. Nous avons besoin d'une coopération technique pour partager les grands problèmes sur lesquels nous travaillons, aider les petites entreprises qui comprennent à comprendre quand il y a une crise. Nous devons faire face avec Facebook, avec Microsoft et avec tant d'autres. Nous voulons aussi soutenir la recherche parce que nous n'avons pas tous toutes les réponses et le gouvernement non plus. Donc, nous devons donc mieux travailler tous ensemble. Un dernier, une dernière chose encore. En tant que Professeur du contre-terrorisme. J'ai étudié et enseigné dans diverses universités et nous devons nous rappeler que le terrorisme est une stratégie des faibles. Les terroristes et leur stratégie, c'est de nous provoquer et que nous fassions des erreurs. De nous provoquer donc afin que nous réagissions de manière inadaptée et trop importante ou de manière inefficace, hein, contre nos intérêts sur le long terme. Maintenant, dans les sociétés, nous devons vraiment, pour l'éviter, comprendre ce que nous faisons, mais aussi ce que nous devons faire. Pourquoi sommes-nous là Quelles sont nos valeurs Quelles sont nos politiques Quels sont les acteurs contre le terrorisme Nous devons tout inclure. Merci. Merci. Maintenant, la troisième. Le troisième orateur maintenant, c'est la vision de Microsoft. Bonjour, Corny Grégoire. Tout d'abord, j'aimerais avoir une conversation aujourd'hui, donc je vais être assez rapide. Vous avez parlé donc de la responsabilité des réponses face au contre-terrorisme et à l'extrémisme. Microsoft, vous devez le savoir, Microsoft offre beaucoup de produits et de services. Cela nous donne la possibilité d'avoir plus de clarté face aux problèmes, face aux risques dans ce domaine, comment définir la responsabilité de manière appropriée Je vais un peu plus m'expliquer. En tant que chef de la sécurité à Microsoft, de la sécurité numérique, nous devons parler de la façon dont nous protégeons, dont nous avons des politiques internes et utilisons nos outils et la technologie. Pour mettre en œuvre les termes des services que nous avons et à créer un partenariat pour renforcer notre écosystème. Nous avons donc, je vais parler des responsabilités dans le cadre de l'appel de Christchurch. Microsoft soutient l'approche multipartite. Nous parlons d'un problème qui concerne toute la société. Si nous voulons faire face de fa et trouver une réponse pertinente, nous avons besoin de voir tous les secteurs. Nous avons besoin d'avoir. Une perspective de l'intelligence des rôles et une certaine exper expertise et des responsabilités. L'appel de Christchurch est unique car il, il présente différents rôles et les responsabilités des gouvernements, de l'industrie et de la façon dont nous pouvons travailler de manière collaborative. Je vais juste présenter certains points. Pour les gouvernements, il faut, con il faut contrer tout ce qui. Pousse au terrorisme et à l'extrémisme violent. Par exemple, le manque d'opportunités économiques. Pour l'industrie, il s'agit de partager, par exemple, la connaissance, d'être explicite en matière de conditions générales, par exemple. Mais maintenant, je vais parler de ce qui est pour moi problématique. Lorsque nous regardons le cadre réglementaire, ce qui est problématique actuellement, nous voyons qu'il faut des lois. Dans ce domaine, nous devons parler aussi de ce qui sont les, réels, les risques réels. Quelle est la réponse appropriée? Nous avons besoin de réfléchir à une plateforme de réseaux sociaux différentes qui pourrait être partagée par tous. Je ne parle pas de Facebook. Je ne parle pas de partager à tout le monde ou à tous. Je parle de, par exemple, LinkedIn. Il y a différentes façons de partager. Par exemple, le prochain industriel peut avoir accès à un outil pour offrir de plus grandes opportunités économiques. Nous n'avons pas de contrôle dans ce domaine. Lorsque nous parlons, par exemple, de l'infrastructure en nuage, je vais vous parler des défis sur un plan juridique et réglementaire. Quand on nous demande si on ne peut pas. Trouver une solution technologique, un fournisseur de services électroniques et avoir une conversation sur tous les risques auxquels nous devons faire face. Je veux trouver une réponse face à ces risques. Je veux m'assurer que nous portions nos responsabilités. Nous allons aussi avoir sûrement une autre conversation, une autre discussion. C'est quand est-ce que nous devons agir pour protéger les droits de l'homme. Nous devons être transparents. Dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci. Je pense que ce sera très intéressant. Maintenant, nous avons un dernier orateur de la société civile. C'est. Donc. Tout le monde ne comprend pas, euh, n'arrive pas à prononcer mon prénom. Je m'appelle Monsieur Ouichirantne. Je viens du Sri Lanka. Et. J'ai vu que certaines personnes ont parlé très rapidement, donc je vais parler un peu plus lentement maintenant. D'un côté, je suis un scientifique dans les matières de données dans le cadre de Big Data dans, pour le Sud. Je tra nous travaillons en Asie depuis déjà plus de dix ans. De l'autre côté, je suis le cofondateur de ce que j'appelle Watchdog, c'est-à-dire un site qui surveille les faits, la vérité contre les fausses informations. Et nous l'avons fondé après les attaques terroristes au Sri Lanka. Maintenant, combien ont déjà vu une bombe exploser hum, Très peu de personnes dans cette salle, je pense. Mais ceux qui en ont déjà vu, ils vont comprendre ce que je dis lorsque je dis que c'est impressionnant. ce n'est même pas la panique. c'est on se demande ce qui se passe. qu'est-ce qui se passe? c'est une sorte de folie, d'incapacité à réagir. depuis euh, le 6 mars 2018, je travaille notamment avec d'autres instances telles que facebook et avec d'autres organisations depuis la réponse face à christchurch. Et lorsque vous avez une bombe, un ami était là, il allait voir un ami dans un hôtel, il était un tout petit peu en retard, et cet homme était sur Instagram, et il a tout montré, il a montré les corps détruits, il a dit, nous devons agir. Lorsque nous avons cette conversation, nous avons une telle discussion, et elle doit avoir lieu, mais nous devons aussi avoir une vision un peu universitaire et une rigueur universitaire pour parler de la modération des contenus. Mais lorsque nous sommes déjà en train de parler des contenus que l'on supprime, c'est déjà trop tard. Il y a déjà des personnes qui sont mortes à la fin de la journée. Il y a donc différents mécanismes dans les gouvernements. On peut pas réfléchir si nous devons attendre, par exemple, que la... L'ICC56 s'est connecté si il y a des rapports sur les discours et la haine sur les réseaux, mais c'est déjà des questions pour la loi, mais c'est déjà trop tard. Nous avons donc créé ce qu'on appelle Watchdog en 36 heures pour de l'information directe sur place contre les fausses informations. Nous avons eu tout d'abord euh, 45 000 utilisateurs. Et maintenant, depuis, nous ne faisons que grandir. Columbia, d'où je viens, est une petite ville, mais il y a beaucoup de personnes là-bas. Et, et parfois, nous avons aussi des mouvements de panique. Nous voyons qu'il y a des centaines de personnes qui travaillent pour nous. Donc, nous, au départ, nous étions un, un, une toute petite organisation, et maintenant, c'est un monstre presque. Et cela monte. Ce sur quoi je travaille en tant que scientifique, travaillant sur les données, je veux apporter une perspective universitaire dans la politique, une rigueur universitaire. J'ai dit que j'avais, j'ai 45 000 utilisateurs et certains me disent que c'est impressionnant. Mais pour moi, c'est un échec, parce que vu la rapidité des discours de haine au Sri Lanka, vous avez déjà parlé par exemple de l'Allemagne qui a une minorité seulement d'utilisateurs qui acceptent euh, la haine sur les réseaux par exemple. Mais je dis qu'au Sri, Sri Lanka c'est une majorité. Et ce contenu est en ligne. Et tant que Facebook n'a pas près de 50% d'utilisateurs qui jugent, qui réglementent les 50 autres pourcents, nous ne pourrons pas trouver de solution. C'est pour cela que nous avons commencé à travailler avec Facebook, parce que vous savez, euh, nous essayons de comprendre pourquoi Facebook, qui a un certain nombre de réglementations, ne peut pas mettre en œuvre ses politiques dans des pays comme le Sri Lanka. Peut-être que c'est le cas en Allemagne ou aux États-Unis, mais dans certains pays, ces réglementations ne sont pas du tout mises en œuvre dans le Sud. Et je, nous sommes, faisons partie d'un réseau de réflexion oh, dans le sud. J'ai prié pour mon ami, j'ai dû l'enterrer et nous avons réalisé qu'il y a beaucoup de défis techniques pour mettre en œuvre ce que nous appelons l'appel de Christchurch. Il y a beaucoup de langues dans le sud et toutes ces langues ne sont pas encore protégées. Les contenus ne sont pas encore protégés. Nous avons besoin donc d'une perspective qui n'est pas technologie, mais nous avons besoin de faire en sorte que en les, les réglementations soient appliquées non seulement en allemand, en anglais, en néerlandais, mais aussi dans le sud. Nous avons aussi réagi qu'il y a un problème de, sur la façon dont les algorithmes sont créés. Actuellement, Sri Lanka, nous avons une population qui est à la fois musulmane et tamil. Et nous voyons que la plupart des discours de haine sont contre ces deux populations. Nous avons donc parlé avec des ingénieurs de Facebook et nous leur avons montré toute cette menace. Ils vont essayer de le mettre en œuvre dans leur politique. Je sais, hypothétiquement, je pourrais tuer mon voisin à 8 h du matin et c'est une menace spécifique et ce sera marqué comme une menace prioritaire. Maintenant si dans mon dans ma langue nous n'avons pas de futur. Pourquoi Parce que cela ne marche pas. Nous devons changer la dynamique des discours de haine. Cela ne suffit pas de souligner certains commentaires, de créer de superbes règles, mais nous devons les mettre en œuvre dans toutes les communautés, dans toute la communauté, parce que Facebook est le plus grand dépositaire de contenu en ligne actuellement. Nous avons donc besoin de la société civile qui soit inclue dans, ces pays, dans ce processus, dans tous ces pays, les pays où le problème apparaît. Nous avons besoin aussi des universitaires où le dans les pays où le problème apparaît, des linguistes. Et je vais vous donner un exemple. En tamil, tambi veut dire jeune frère, mon plus jeune frère. Si je parle de cela avec certaines personnes, hein, cela peut être vu comme une insulte si une autre personne qui ne comprend, qui n'a pas la même langue. Donc, nous avons ce contenu tamil dans un texte. Et pour que l'algorithme puisse comprendre que c'est un message de haine, il doit comprendre toutes ces langues et les différences culturelles, les différences des ethniques. Donc nous voyons plusieurs problèmes Ceux à cause de la structure du langage. Nous ne pouvons pas tout le temps avoir une analyse. Nous devons faire attention aussi aux droits de l'homme. Donc ce mot, maintenant, je reprends le mot tambi. Il pourrait être utilisé par un raciste et utilisé et écrit avec un clavier par exemple anglais. Et nous avons donc trois couches de langage et selon ces langages, cela a une définition différente. Il ne suffit pas donc d'appuyer sur un bouton pour enlever tous les problèmes et mettre hors ligne ce message. Nous devons donc travailler avec des universités sur place. Nous avons l'expertise, nous avons les capacités, mais les données se trouvent à un autre endroit. Les créateurs sont à un autre endroit. Je dois dire que je n'aimerais pas être à Menlo Park, être une personne qui connaît l'anglais, qui connaît le, le sujet, les objets, les mots, pour façonner quelque chose et qui doit découvrir ce que cela veut dire dans une autre langue. Nous avons donc un problème dans la création de ces données. Donc voilà, voilà mon opinion. Je trouve que l'appel de Christchurch est fantastique, mais il a fallu pour cela que la Nouvelle-Zélande prenne la parole, sorte du rang, pour avoir l'attention du monde entier. Il y a des bombes dans beaucoup de pays. Souvent, des personnes meurent et on n'en parle pas. On n'évoque pas ce sujet. On ne le voit pas. Nous devons donc penser à l'échelle mondiale, avoir une telle discussion. Pour moi, avant que nous continuions à discuter sur les politiques, la façon dont nous pouvons changer la façon dont les gouvernements travaillent, nous devons faire face aux problèmes et les législateurs doivent... S'engager en avec toute la communauté, avec les scientifiques, pour comprendre ce qui est possible, ce qui est pratique et ce qui doit être fait pour faire en sorte que cela soit déjà opérable aujourd'hui, que cela fonctionne déjà aujourd'hui. Merci. Merci, c'était vraiment une perspective fascinante, hein? avec également tous ces aspects scientifiques, après le point de vue des entreprises, qui montrent que. Nous sommes confrontés à des défis considérables ici, vraiment à différents niveaux, et que nous avons besoin de ce dialogue transversal pour pouvoir relever les défis. Et avant que nous passions aux questions du public, nous allons revenir aux droits et aux risques sous-jacents. Et nous allons le faire avec Addison Lanza qui va nous faire un petit état des lieux, pour ainsi dire. Et nous allons prier les membres du panel de répondre. Vous n'êtes pas obligés de tout répondre. Et bon, bien entendu, euh, si beaucoup de personnes souhaitent répondre, nous vous prions de le faire rapidement. Et ensuite, nous allons nous adresser au public. Bonjour à tous. Euh, je suis le dernier, donc je suis un petit peu sous pression. Je souhaitais dire que les discours haineux et la lutte contre le terrorisme est certainement le domaine dans lequel nous avons le plus de difficultés, car il s'agit tout d'abord de définir les catégories et l'importance également de celles-ci. Il s'agit également d'aborder deux phénomènes ou deux impacts que ces problèmes ont dans l'écosystème de la liberté d'expression. D'un côté, vous avez la réponse de l'État et un risque lié avec la réponse de l'État. Et d'un autre côté, vous avez les entreprises technologiques. Tout d'abord, en tant que rapporteur spécial sur la liberté d'expression, je me suis penchée en fait sur la systématique de ces attaques contre la liberté d'expression par les États ou les acteurs étatiques qui ont lieu dans différents pays dans des contextes différents. Et il y a les attaques terroristes, vous avez également la diffusion du crime organisé, en particulier dans ma région, en Amérique latine, où les attaques terroristes ne sont pas forcément le problème principal, mais vous savez qu'il y a énormément de violence Venant des organisations criminelles en Amérique latine. Et je souhaiterais également attirer votre attention sur le besoin d'aborder les problèmes graves que l'on a dans le contexte des technologies numériques, notamment la mésinformation, la désinformation, la propagande terroriste, et également les interférences qu'il peut y avoir avec l'utilisation du cryptage et de l'anonymation également dans le domaine du journalisme ou de la défense également, ou des militants des droits de l'homme. Il est important de mentionner que les États, souvent, répondent à ces situations de manière assez réactive en imposant des restrictions disproportionnées à la liberté d'expression est tenter de criminaliser l'expression et ce n'est pas une réponse efficace. Et un débat ouvert est une partie importante de toute stratégie pour faire face aux attaques portées contre la liberté d'expression car sans débat, sans discours contradictoire, eh bien nous risquons en fait d'avoir des réactions contre-productives. Et de nombreuses mesures doivent être prises toutefois pour lutter contre l'héroïsme, Mais il convient de trouver des moyens appropriés de le faire. Et nous sommes tous dans des démocraties où l'état de droit règne. Et par exemple, au Venezuela, en, en eh bien ce sont également des démocraties Cuba également mais sont soumis à la pression comme la Bolivie, le Chili également et l'utilisation de ces concepts de manière très vague en glorifiant, justification ou en encourageant le terrorisme serait En fait une motivation à une criminalisation accrue Il serait une violation de la liberté d'expression telle qu'elle est ancrée dans la loi internationale. D'un autre côté, les leçons que l'on peut retenir de l'utilisation des contenus sur Internet peut-être parfois être problématiques, et il faut voir également que nous avons également le devoir de protéger les journalistes qui ont également le devoir de protéger leurs sources. Et ils ont également un rôle à jouer, notamment en ce qui concerne leur rôle d'observateur et de surveillant du judiciaire. Et les plateformes ont un rôle considérable et clé à jouer dans l'animation des contenus et dans le flux de l'information. Le rapporteur spécial sur la liberté d'expression, honte dans le monde entier, ont exprimé des recommandations concrètes à l'encontre des entreprises pour la mise en œuvre et la réalisation des normes relatives à la liberté d'expression, notamment en ce qui concerne la modération des contenus. Et je souhaiterais enfin faire référence à un ensemble de recommandations qui ont été faites aux entreprises. Tout d'abord. tout d'abord, il est important que les réglementations de l'état pour contrôler la société civile soient contrôlées bien entendu. la question, quelles sont les recommandations que nous faisons? tout d'abord, il s'agit de réaliser en fait un outil préalable régulièrement une évaluation régulière qui doit être réalisée des différentes politiques et de la répercussion de ces politiques sur les droits humains. Il est important, bien entendu, que les mesures politiques soient prêtes, soient proportionnelles, légaux et respectent, bien entendu, la, les lois internationales et les recommandations qui sont faites dans les différents domaines. Troisièmement, il s'agit d'améliorer le processus. Par exemple, lorsque les personnes propose un recours. Il est important que les personnes aient accès à un processus d'appel qui soit transparent lorsqu'ils font appel d'une décisions prises par les plateformes. Et je suis ravie d'entendre que Facebook développe également ses structures de surveillance indépendantes. Et il est important également de prendre en compte également le besoin de mesures afin de lutter contre les incitations à la violence et les entreprises doivent bien entendu prendre des mesures qui correspondent également au contexte des différents pays. Et le cas du Sri Lanka montre que si Facebook, Google, Twitter, Microsoft ont une approche globale, il est important également qu'il y ait. La prise en compte des, cons des contextes locaux dans différents pays, par exemple, la situation est différente entre le Mexique, le Canada, le Chili, euh, l'Argentine par rapport à l'hémisphère nord. Et l'on sait que la réponse de Facebook, de Twitter ou d'autres que la réponse est tellement lente, car ils n'ont pas forcément, en fait, des personnes pour les alerter des problèmes qui peuvent apparaître. Enfin, nous savons qu'il est nécessaire d'adopter des normes internationales dans la politique de modération des contenus. Et je pense que cela peut donner aux entreprises un cadre dans lequel ils peuvent avoir une meilleure approche, mais également une meilleure réponse aux états. Je vous remercie de ces idées qui permettent de nous présenter donc les droits et les risques et j'invite les membres du panel s'ils ont des réflexions à faire sur cette intervention ou si vous nous souhaitez nous faire part également d'autres commentaires. Donc quels sont les droits qui sont menacés ou quels sont les risques pour les droits de l'homme, lorsque l'on a cette approche de réglementation qui risque d'entraver la liberté d'expression, et qu'est-ce que l'on peut faire pour limiter ces risques Nous avons conscience que d'autres gouvernements basées sur des préoccupations légitimes, ont adopté différentes approches concernant la réglementation et la gouvernance d'Internet avec un certain nombre de règles qui ont été mises en place. Et l'argument, bien entendu, est que d'avoir des lois plus restrictives nous permettront de mieux gérer le problème. Toutefois, de notre point de vue, nous ne sommes pas convaincus que des lois plus restrictives ne feraient autre chose que de limiter l'innovation, le commerce et contribuer à fermer en quelque sorte Internet. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que les gouvernements qui imposent le retrait de contenus plus ou moins terroristes devraient être en mesure en fait en sorte de trouver d'autres mesures qui ne soient pas uniquement en fait des mesures techniques ou ont tendance à avoir une réponse uniquement technique alors qu'ils devraient Davantage se concentrer sur les différents acteurs et le fait de passer en face fait, à un certain nombre de réglementations aux entreprises ne seront pas forcément une solution à long terme car les filtres, par exemple, pourraient également mener en fait à une limitation des droits humains et de la liberté d'expression. Et nous pensons qu'une collaboration volontaire avec les entreprises technologiques et tous les différentes parties prenantes est une meilleure approche car nous pensons que les entreprises savent mieux. Quels sont les contenus sur leur plateforme? Et ils savent mieux comment identifier et retirer les contenus plus rapidement pour éviter leur diffusion. Et certaines des réglementations que nous voyons et qui peuvent être également en conflit, ça a déjà été mentionné, qui peuvent être également être des règlements qui sont en conflit, bien entendu, parce que nous avons parfois des réglementations donc qui peuvent être conflictuelles. Peut-être en fait une inspiration pour des régimes encore plus répressifs pour qu'ils trouvent, par exemple, des excuses pour mettre des responsables d'entreprises en prison au lieu de s'adresser en fait aux personnes qui diffusent ces contenus. Et c'est la raison pour laquelle hein, il est important de mettre en place également, par exemple, telle que la loi allemande qui a été mise en place, et eh bien que ce type de loi peut être utilisé par des dictateurs dans le monde entier comme étant un modèle de censure. Enfin. Je souhaitais souligner que nous souhaitons être sûrs que notre réponse à ces menaces ne menace pas les principes directeurs qui sont les nôtres pour garantir un Internet ouvert et sûr. Et il ne faut pas menacer les choses positives et les choses que nous tentons de défendre. Merci. Il y a une autre législation. Australienne, qui impose une responsabilité des plateformes lorsqu'elles ne retirent pas des contenus violents, qui est assez vaguement défini. Le problème, c'est que cela oblige les plateformes à avoir une attitude d'animation de, de, en fait qui euh, qui normalement ne devrait pas être, notamment dans les domaines du commerce électronique. Et cela incite les plateformes à mettre en place des filtres de téléchargement ou d'autres formes de censure. La loi australienne va plus loin que la loi imposée au réseau. Et concernant cette loi d'ailleurs, Il y a déjà des normes de port sur concernant les normes relatives aux droits de l'homme au niveau national. Et l'idée, c'est que vous estimez que les plateformes sont responsables des contenus qu'elles ignorent. Bon, ça, c'est la théorie, bien entendu. À ce moment-là, cela ne concerne en fait que les contenus pour les contenus qui ont été signalés. Donc, en fait, au bout du compte, ça ne n'empêche pas d'appliquer les normes internationales ou même ces principes de responsabilité. Mais le fait, c'est que ce qui se produit, c'est que les plateformes doivent en fait, lorsqu'elles sont obligées à enlever des contenus qui leur ont été signalés dans un temps donné, alors qu'il prend du temps, véritablement, d'analyser les contenus pour savoir s'ils sont illégaux ou pas, eh bien, ils ont tendance en fait à systématiquement supprimer les contenus. Et nous le savons parce que nous avons créé ces lois. Nous savons que nous avons une loi de retrait automatiquement concernant les contenus illégaux. Et beaucoup de contenus sont purement et simplement supprimés. Par exemple, il y a eu un désastre, à savoir que quelqu'un avait cette folle idée que si... Un vaporisateur pourrait nettoyer l'air, et qu'en fait de nombreux enfants et mères n'ont plus la possibilité de les avoir parce que beaucoup de là en fait, ont tendance de mettre ces avertissements pour ces équipements, et en fait, ils ont été retirés en ligne parce qu'il y avait des avertissements qui étaient publiés par différentes entreprises qui, en fait, Tenter d'informer la population et ces contenus ont été supprimés car les plateformes craignaient que ces avertissements puissent faire l'objet de poursuites. Et donc, finalement, cela finit par représenter une menace même pour les utilisateurs. Et lorsque l'on parle des discours, c'est que souvent certains discours contradictoires utilisent en fait les mêmes termes que des discours qui sont utilisés, par exemple, dans les discours violents. Par exemple, vous avez également sur le réseau en Corée, vous avez des plateformes féministes qui utilisent le même langage contre les hommes, en fait, pour leur faire ressentir, en fait, les, la façon dont elles se sentent lorsqu'elles sont confrontées à ce, à ce type de langage. Et comme ils utilisent les mêmes éléments de langage, Eh bien, elles ont des problèmes juridiques et le simple fait de les poster, en fait, ce n'est pas les opérateurs. En fait, les opérateurs enlèvent tous les contenus qu'ils ont reçus qui ont été notifiés, mais le gouvernement s'adresse à l'opérateur qui a tendance à systématiquement donc retirer les contenus pour en fait sur la base d'un certain nombre d'éléments de langage. Il y a encore le temps pour deux ou trois interventions, donc il faut que vous soyez vraiment très, très rapide. Je pense qu'il y a une préoccupation au niveau mondial, à savoir que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut supprimer les contenus pédopornographiques. Mais il n'y a pas encore d'engagement mondial. J'ai déjà mentionné qu'il est interdit en Allemagne, par exemple, de nier l'Holocauste. Au pays tels que le Danemark, c'est autorisé. Et donc nous avons des règles nationales qui sont adoptées par les parlements nationaux et c'est notre ligne de conduite. Et comme je le disais, on ne parle pas de langage haineux, on parle de crime haineux. Et si la liberté d'expression est en conflit avec notre droit pénal, les entreprises sont obligées, d'effacer ces contenus. Telle est la règle à l'heure actuelle en Europe, notification, retrait. Et dans ces cas-là, il convient d'analyser ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. L'expérience que l'on a faite avec les lois relatives à la mise en œuvre et l'application de la loi donc sur les réseaux, pour les entreprises telles que Twitter ou Google, par exemple, il y a à peu près 500 000 réclamations par an à savoir que des utilisateurs euh, rapportent des contenus qu'ils estiment être éteints. Et le taux de retrait est à peu près de 20%, c'est-à-dire que les entreprises ne suppriment pas tous les contenus qui leur sont signalés. Ils tentent de faire un bon travail et de déterminer ce qui est illégal et ce qui doit être retiré et ce qui peut être ou doit être toléré dans le cadre de la liberté d'expression. Il n'y a pas. En tout cas, c'est notre point de vue. En fait, jusqu'à présent, on n'a pas retiré trop de contenu. En tout cas, c'est notre analyse. Un effet de la pression de l'opinion publique en Allemagne, et il ne s'agit pas uniquement de la pression de la part du gouvernement, mais c'est également la pression exercée par la société civile et des victimes qui ont fait que les entreprises telles que Facebook ont. Augmenter le nombre de personnes qui travaillent en Allemagne. Pour réaliser cette tâche, et je pense que c'est une bonne chose, c'est un bon résultat. Et nous constatons un effet, c'est que l'effacement des messages postés, mais également la fermeture de groupes ou de personnes extrémistes, signifie que ces personnes doivent quitter Facebook, Google ou Twitter. Ils cherchent à présent d'autres plateformes, mais ils ne peuvent pas convaincre toutes les personnes qui les suivent de quitter Facebook ou Google. Donc cela a quand même un certain effet positif, à savoir que la, la, la portée de cette propagande est moindre. Cette propagande qui viole la loi allemande. Pour compliquer quelque peu les choses, nous avons eu une excellente discussion sur la liberté d'expression et je souhaitais dire que je pense j'ai commencé avec les principes de l'appel de Church à savoir qu'il s'agissait de déterminer le champ, en fait, du terrorisme et de l'extrémisme violent. Et nous avons parlé de la liberté d'expression et du risque à qu'elle est exposée. Et je pense qu'il y a le droit de l'accès à l'information également. Je pense qu'il y a le droit également à la protection des données personnelles également. Et c'est la raison pour laquelle il est important de les protéger également. Et il s'agit ici vraiment de choses très concrètes également. Et lorsque l'on parle du conflit entre les différentes législations, il y a des tendances préoccupantes à l'heure actuelle. Même avec cette structure de notification et retrait, eh bien, on le voit qu'il y a également, par exemple, des requêtes de la part du gouvernement avec des applications extraterritoriales. Et l'on pourrait estimer dans ces cas-là que ce gouvernement estime qu'il s'agit d'un contenu illégal sur leur territoire national, mais ce n'est pas forcément le cas au-delà des frontières. Et c'est la raison pour laquelle ici, nous avons davantage de conflits qui se posent également. Et un autre point de vue des gouvernements, c'est qu'il s'agit de contenu miroir et le contexte. Compte bien entendu, je suis désolée, je viens d'un contexte gouvernemental et je ne sais pas comment est-ce que l'on peut définir un règlement relatif au contenu miroir car le contexte est important. Et nous constatons qu'il y a une forte tendance avec cette perspective donc de conflit entre les lois et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir des discussions approfondies pour savoir comment est-ce que l'on peut limiter la définition des contenus dont nous parlons, de ces contenus qui peuvent être délétères également, et c'est également quelque chose où il va falloir avoir une meilleure coordination. Bien, Cornelia, vous avez encore la parole et après nous allons passer donc aux questions du public. C'est vraiment une discussion très, très difficile mais bon ce n'est pas tellement difficile qu'on ne puisse pas agir bien entendu car l'inaction serait certainement un risque auquel nous sommes confrontés Et si je reviens au risque qui menace la liberté d'expression eh bien après Christchurch force est considérée que personne n'a le droit de diffuser le meurtre de 51 personnes et il y a de très nombreux droits qui sont violés dans ce cas-là. J'ai parlé avec des personnes, j'ai parlé avec ma propre fille d'ailleurs qui connaissait une de ces 51 personnes et qui a vu en fait cette vidéo apparaître sur son live stream et il faut remettre les victimes au centre et il faut penser à elles, il ne faut pas être Trop hâtifs dans notre réaction également, mais il est important également de faire en sorte que nous n'ayons pas une réaction disproportionnée, mais que nous ayons également une conversation approfondie ici. Car. En Nouvelle-Zélande, à l'heure actuelle, lorsque nous voyons les répercussions de ce qui s'est passé, ce que cela a eu sur la perception d'Internet en Nouvelle-Zélande et la façon dont la population voit Internet, et bien le risque principal, c'est qu'on ait l'impression que c'est Internet en tant que tel qui est un outil toxique et c'est la raison pour laquelle il est important que nous considérions qu'Internet est une force au service du bien. Effectivement, il faut éviter que la force en faveur du positif soit négligée. Mais en ce qui concerne la bonne perspective, là, j'ai des problèmes. Il y a cette idée implicite selon laquelle le discours de haine sont diffusés par des mauvaises personnes et que ce sont uniquement les personnes mauvaises qui diffusent les mauvaises informations. Mais je peux vous confirmer que ce n'est pas juste. Des fois, c'est tout simplement pas très clair. Est-ce que pensez par exemple aux maires qui ont peur et qui diffusent, qui, qui utilisent WhatsApp juste pour demander est-ce que tu vas bien, ou euh, quelqu'un, un collègue qui veut tout simplement savoir pourquoi un tel collègue n'est pas venu au travail. Donc, ce sont pas forcément des mauvaises personnes, des cr euh, personnes criminelles qui diffusent ces messages. Donc, il faut éviter que les utilisateurs soient confrontés à des risques. Ce sont, bien évidemment, tout individu peut être euh, exposé à des risques sur Internet. Et je vous ai déjà expliqué comment... Euh, fonctionne euh, euh, le contrôle automatisé des contenus, mais c'est très difficile de le faire sans euh, certains préjugés qui sont déjà impliqués dans les machines, dans les appareils. Et euh, on a beau optimiser les processus, ça sera toujours le cas parce que les machines sont programmées par les êtres humains, donc il y aura toujours des erreurs. Et c'est sur ce point-là qu'il faut se concentrer. Bien évidemment, on peut avoir des systèmes qui, sont, qui fonctionnent bien dans 90% des cas, mais qu'est-ce qu'on fait des 20% qui, euh, qui utilisent des informations erronées J'espère qu'un jour, on va atteindre le moment où on aura à disposition des données fiables, des protocoles fiables. Et à ce moment-là, on devrait avoir la possibilité de critiquer ces systèmes, par exemple de la part de l'IGF. Il y a certainement quelqu'un dans la salle qui est à même d'analyser une collection de données. Et en disant, il y a tel ou tel groupe qui est sous-représenté. Ou bien, il y aura certainement tel ou tel représentant gouvernemental qui pourrait dire, il y a tel ou tel aspect qui n'est pas suffisamment cité et tenu en compte. Donc, ça, c'est un fait, un constat qu'il faut accepter. Et je ne me fie à personne qui dit, c'est l'intelligence artificielle qui va résoudre le problème. Je n'y crois pas. Il est donc essentiel de regarder toutes les possibilités, toutes les solutions possibles. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant demander au public de participer à notre discussion. Et après, on va encore une fois, une toute dernière fois, faire un tout de table, par ainsi dire. Donc, euh, demander à... Chaque intervenant de faire une petite conclusion. Donc, je vous rappelle les questions. Quelles sont vos recommandations pour les responsables politiques et quel rôle peut jouer l'IGF à l'avenir Donc, maintenant, je m'adresse au public. Je vous prie de bien vouloir utiliser les micros devant vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir choisi ce sujet passionnant. Je. Je représente l'Afghanistan. Je travaille pour le gouvernement. Je vais vous présenter ma perspective. À mon avis, il s'agit, ou la question principale, c'est l'éthique en faveur de la paix. Vous savez que l'Afghanistan est confronté à une pression massive qui est exercée par une menace terroriste. Qu'est-ce que les responsables politiques peuvent contribuer? Qu est -ce... Quelle est l'attribution, la contribution de Facebook dans le contexte de l'Afghanistan? Notre politique est une, une politique globale qui est également applicable en Afghanistan. Par ailleurs, euh, les talibans euh, sont. Euh, Figure sur la liste des sanctions qui sont infligées par les Nations Unies. Donc, automatiquement, les contenus qui sont diffusés par des membres du Taliban sont effacés. Mais c'est quand même une question très compliquée. Nous effaçons effectivement les contenus qui sont mis en ligne par des membres du Taliban. Mais qu'en est-il des contenus euh, diffusés par les Talibans euh, dans le contexte des négociations de paix dans les négociations avec d'autres gouvernements dans le monde. Ça, c'est vraiment une question très, très compliquée pour une plateforme comme la nôtre qui essaie de mettre en place des normes objectives. C'est très difficile d'y fournir une réponse. Bien évidemment, il est simple de dire peut-être les plateformes devraient coopérer avec les gouvernements pour trouver la meilleure solution, mais là aussi, on risque euh, d'inciter euh, les utilisateurs à des abus. On a eu l'exemple du Sri Lanka. Euh, on a très peu de données qui peuvent servir à entraîner nos algorithmes. Donc, euh, chaque pays est confronté à une situation différente, à une situation très individuelle et c'est également le cas pour l'Afghanistan. Si vous n'êtes pas assis à la table, veuillez utiliser les, les microphones qui sont disposés dans la salle. Merci. Euh, je vis en Inde. Je parle en tant que personne privée. Euh, il ne s'agit pas seulement d'une langue, d'un langage, d'une religion, d'un pays, mais il s'agit s'agit de l'ensemble de l'humanité et cela nous préoccupe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de politique, d'approche internationale pour combattre le terrorisme qui nous permet de FS et des contenus terroristes en temps réel et qui permet également une action directe en temps réel de la part des autorités de sécurité. Sinon, les euh, plateformes sont un port relativement sûr euh, et il y a toujours un décalage horaire, un décalage dans le temps qui entraîne automatiquement un effet négatif qui permet d'augmenter le risque ou le le produit produits par les effets um, par les contenus terroristes. Permettez de citer un cas concret du Cili, cas là. Lors de l'explosion des bombes, pendant six heures il n'y avait pas de radio. Ou au moins le gouvernement euh, ne s'était pas exprimé pendant six heures. Et puis après, il y avait un représentant gouvernemental qui s'est dit Bon, je n'étais pas du tout au courant. Et les journaux euh, officiels, les services d'information ont dit euh, Par contre, il y a trois ans que nous. Euh, Mettant en garde contre ces personnes-là parce qu'on savait qu'ils présentent une menace ou un risque pour la population. Donc, il y a également des cas de figure dans lesquels il faut respecter certaines règles, certaines procédures qui ne permettent malheureusement pas de réagir en temps réel parce que potentiellement, une réaction précoce. Déboucherait sur des dégâts supplémentaires. Mais il y a des défis technologiques, notamment dans les pays les moins développés. Mais lorsqu'il s'agit de la sécurité nationale, il faut éventuellement limiter un petit peu euh, l'opinion, euh, la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Bon, effectivement, on pourrait en parler pendant des heures, parce que c'est une question très philosophique. J'aimerais savoir ce que vous me dites aussi. Je, me suis, je suis président d'un groupe de travail. Ce qui pourrait être peut-être particulièrement intéressant, c'est l'expertise technologique dans ce domaine. Il faut penser sur. L'internet qui a un système polyglotte et moi depuis des années, depuis les années 90, je m'occupe de ce problème. Il est très important de faire des recherches contre le cyberterrorisme, le terrorisme en ligne. Brian, bien évidemment, compte parmi les experts en la matière. Il est professeur. C'est donc quelque chose de, de, de très intéressant pour vous. Depuis 2012, nous avons un label pour identifier ces menaces sur Internet. Pourquoi est-ce que c'est important En fait, ici, au sein de l'IGF, nous parlons sur les contenus en ligne, les contenus terroristes en ligne, mais cela ne représente qu'une toute petite partie de la menace qui existe. Tout d'abord, je ne voulais pas forcément prendre la parole mais maintenant je me sens quand même obligée parce que je constate qu'il y a qu'il n'y a pas de politique globale qui serait capable de transformer internet en un pouvoir purement positif. Donc si je vous demanderais de vous mettre par terre sans microphone et de euh, parler très très fortement pour que tout un chacun puisse vous entendre, vous vous sentirez certainement très mal à l'aise. Mais si l'on est obligé de faire ce qui est nécessaire, ça peut effectivement être un peu euh, jeûnant. Deux jours après les attentats perpétrés à Christchurch, j'ai lancé un appel euh, aux plateformes et en grand group, euh, aux grands groupes hein, de bloquer les retransmissions en direct. Parce qu'il y a toujours le risque d'abus. Et nous avons détecté qu'il y a une certaine tendance à l'avenir. Vous l'avez souligné à juste titre, l'action de Christchurch est quelque chose d'excellent. Et je pense que la Première ministre a été vraiment très sincère. Mais malheureusement, on se limite, on se. On se limite à la réaction et on agit trop peu. Ici, au sein de l'IGF, on parle uniquement, on discute, mais ce qu'il faut faire, ce qui, ce qui nous manque jusqu'à présent, c'est l'action concrète. Et je parle ici aussi en tant que citoyen américain. Très probablement. Ce qui est acceptable aux États-Unis pourra servir de modèle pour la politique internationale. J'ai assisté à un attentat à New York et vous avez dit à juste titre, Monsieur le Secrétaire d'État, les terroristes poursuivent un objectif mais pour nous, il est essentiel de comprendre pourquoi certaines personnes se transforment-ils en terroristes? Cela nous permettrait de mieux gérer cette menace. Et je pense aussi qu'il ne faudrait jamais oublier que Cambridge Analytica joue un rôle ou a joué un rôle très néfaste dans le contexte de la menace terroriste. Et peut-être son rôle est encore pire que celui qui est joué par les terroristes. Donc il faut vraiment retenir cela et prendre ces menaces qui se présentent sous une forme différente en considération. Et éventuellement, nous avons besoin d'une législation locale et les réseaux sociaux devraient effectivement respecter. Ces législations régionales. Pensez à Dow Chemical. Il y avait euh, une attaque. Je vais vous expliquer ce que je veux euh, dire par là. Si une plateforme se considère euh, comme une entreprise technologique, il refuse d'assumer la politique. Donc, il ne sert à rien d'adapter des législations tant que nous ne pouvons pas obliger les entreprises de faire ce qui est nécessaire. Merci. Vous ne devez pas forcément répondre à ce commentaire. Je pense qu'il y a des préjugés qui euh, en un effet sur les résultats de recherche. Nous n'avons pas tiré les leçons de ce qui s'est passé en Amérique latine. Nous n'avons pas du tout tiré les leçons du 11 septembre, etc. Donc il y a toujours des attaques terroristes et la plus grande partie des victimes sont des victimes d'un terrorisme de l'État. Quand on qualifie quelqu'un de terroriste ou euh, il faut éventuellement se réunir autour d'une table avec ceux qui sont qualifiés comme terroristes, comme par exemple avec les, comme par exemple les talibans. Il faut vraiment discuter avec ces personnes là. Donc, euh, on ne peut pas mener un débat neutre. Il faut tirer les leçons du passé. Sinon, on va répéter les erreurs qui ont été déjà commises. C'est uniquement poursuivant une telle approche ouverte qu'on peut éventuellement combattre le terrorisme. Quand on retire des contenus d'Internet, de, qu'est-ce que les scientifiques font de ces contenus Comment est-ce qu'ils obtiennent les, les informations alors Très bri brièvement, je voudrais commenter euh, cette euh, dernière intervention parce que cela me tient à cœur. Moi, en tant qu'ancien scientifique, euh, je suis très reconnaissant aux archives qui existent sur Internet. Hein, parce que grâce à ces ar archives, euh, j'ai obtenu énormément d'informations qui étaient utiles pour mes recherches. Donc c'était en quelque sorte la matière première pour mes recherches. Et je pense... Euh, il y a une véritable possibilité de coopérer, notamment au sein de ce forum. Si une plateforme comme la nôtre retire des contenus parce qu'ils sont illicites, c'est notre droit. Mais comment faire en sorte que ces contenus restent accessibles pour les chercheurs et pour ceux qui défendent les droits de l'homme effectivement là, effectivement, là, il faut. Coopérer, discuter avec les acteurs concernés, il faut avoir une possibilité de stocker ces contenus sans euh, violer euh, les, les, les droits. Je suis euh, il y a un grand nombre de chercheurs qui seraient euh, tout à fait d'accord avec moi. Je pense qu'il nous reste encore deux commentaires juste au fond de la, la dernière table, et puis euh, le monsieur à gauche. Je m'appelle Neil Kachwa. Je représente euh, le secteur privé canadien. J'aurais une question à poser à tout le monde. Je suis fortement impressionnée par euh, euh, les représentants euh, sur scène. Est-ce que vous pensez que les entreprises. qu'il y a une obligation de diligence pour les États et qu'il devrait obliger les États de la respecter. Qui est-ce qui souhaite répondre à cette question OK, apparemment personne n'ose répondre à cette question. Peut-être euh, quelqu'un y réfléchira en qui. Je m'appelle Marco. Et je sais euh, qu'on se trouve auprès du forum euh, sur la gouvernance Internet. Et il y a un certain risque. Hein. Un risque euh, qu'on espère ou qu'on oui, qu espère que les risques et les problèmes qui persistent sur internet puissent être résolus ici lors de cette conférence. mais on le sait, ces problèmes ne peuvent pas trouver une solution ici parce qu'il y a trop d'éléments qui sont pas encore clarifiés, suffisamment clarifiés. internet est un système énorme et très, très vaste. Et c'est effectivement un élément de faiblesse. Les médias traditionnels sont sur place et je pense que c'est un véritable avantage. Quelle est votre position vis-à-vis -vis de ce constat Je suis très contente, très heureuse que vous avez soulevé ce point. C'est une très bonne question. Je pense à problèmes hein, que nous devons traiter le suivant. Il y a effectivement un risque. Hein. Internet, hein, et on aime tellement parler euh, sur Internet euh, qu'on risque de minimiser un petit peu le rôle des autres médias, des autres médias classiques. Hein. Une très grande partie de la violence quotidienne se passe hors ligne, donc dans la vie réelle. Les médias traditionnels, elles, sont présentes sur place, sur le terrain, et très souvent là où Internet n'est pas. Bon, mettons de côté les les téléphones portables, mais effectivement, une très grande partie des contenus sont dans un premier temps générés et gérés par les médias traditionnels. Et effectivement, pour nous, c'est une véritable chance. Le gouvernement américain essaie depuis très longtemps de donner plus de poids à ces médias traditionnels et d'utiliser ces médias afin de transmettre des messages contradictoires et de lutter contre l'extrémisme, de nous opposer contre l'extrémisme. et je pense que tout un chacun devrait euh, prendre en considération ce qui se passe hors ligne. il y a très peu de temps, donc euh, juste après les attentats préparés au sri lanka, le New York Times avait publié un article hein, et ce article disait qu'il était très bien que le Sri Lanka avait fermé Facebook et bloqué euh, Facebook à cause de la propagation justement des discours de haine sur Facebook. Et moi, j'ai dit depuis une trentaine d'années. Hein, il y a une guerre civile au Sri Lanka, il y a des personnes qui trouvent la mort dans cette guerre et tout cela s'est passé sans le concours d'Internet. Il y a des questions sur place, des questions concrètes qui doivent être résolues. Et tout cela se passe hors ligne, dans la vie réelle. Nous pouvons, par exemple, nous pencher sur un certain aspect. Internet et essayer d'y trouver des solutions. Et oui, effectivement, un grand nombre de nos sociétés mènent des discussions. sont caractérisés par des préjugés et ça soulève énormément de problèmes. Dans des forums tels que celui-ci, celui nous pensons que... ou nous espérons que nous puissions trouver une solution pour l'ensemble des problèmes, mais il faut quand même être réaliste et accepter que ce ne sera pas le cas. Le rôle des journalistes et de, les presses, de la presse traditionnelle est effectivement un sujet très important. Il est important de protéger les journalistes qui font des recherches en matière de terrorisme. Il y a, je me rappelle, un cas au Canada. Il y avait des journalistes qui faisaient des recherches concernant l'IS, l'État islamique. Et ces journalistes étaient euh, obligés hein, de dire clé, très clairement euh, quelle identité euh, indiquer les des sources d'informations. Eh bien, les journalistes ont déposé de des plaintes. Les autorités et les journalistes ont le droit de la libre expression. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit en Amérique latine. Un grand nombre de présidents. répète sans cesse telle ou telle organisation est un groupe de terroristes, tel ou tel acte est un acte terroriste. The, 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 you know, the... Effectivement, on peut discuter sur la régulation. Des plateformes et sur la nécessité de régulation. Mais il faut toujours respecter le principe de proportionnalité. Il faut toujours se poser la question de savoir est-ce que la législation est appropriée et proportionnelle? Il y a des lois qui s'opposent contre la diffusion de discours de haine. Mais il faut toujours veiller à ce que le droit à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion ne soit pas menacé. Je vous remercie beaucoup. Je vous concède une trentaine de secondes à chaque intervenant. Et je vous prie de bien vouloir respecter ce temps pour un dernier tour. Bon, en ce qui concerne les recommandations politiques. Je pense que la proposition concernant le CDA va un peu trop loin. Et puis euh, le système MC5-12 pourrait être une approche très utile parce qu'il permet euh, de revenir au, au, au contenu euh, lorsqu'on a constaté qu'ils ne sont pas illicites ou illégaux. Donc, un effacement... pourrait présenter le risque que la position dominante de ces plateformes soit encore aggravée ou augmentée. Facebook ou Google disposent de données de plusieurs milliers d'utilisateurs. Et pour les plateformes de petite taille, tout cela représente également un problème financier. Je pense qu'on ne devrait pas seulement parler des problèmes en ligne qu'on rencontre en ligne, il faudrait vraiment parler de la vie réelle. Et il est important d'échanger les recherches, les informations. Il faut également comprendre comment est-ce que des gens tout à fait normaux se transforment en terroristes. Et pour cette raison, on ne devrait pas seulement se limiter à une discussion sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, ils jouent un rôle important. Euh, et ont une grande responsabilité, responsabilité à assumer, mais il faut notamment mettre l'accent sur euh, l'échange d'informations et d'apprendre les uns des autres. C'est effectivement un point très compliqué. Les concepts dont nous disposons pour assumer notre responsabilité sont très importants. Nous devons agir. Et cela très rapidement et d'une manière souple, parce que nous vivons dans un contexte qui change très rapidement. Je pense qu'il euh, est primordial. de mettre de la sécurité une priorité. Ce principe devrait guider toutes nos actions. Ce qui, est, ce qui pose un problème, c'est qu'il faut identifier une ressource qui est très difficile à cerner. Nous l'avons constaté aujourd'hui, euh, Internet peut être une source euh, et une véritable arme en même temps. Donc euh, tous les outils qui existent sur Internet peuvent également être abusés euh, comme armes. Je pense que euh, l'appel à l'action de Christchurch est primordial et il faut être très très clair euh, quand il s'agit de définir euh, quels sont nos objectifs et de définir ce que nous souhaitons résoudre comme problème. Il faut admettre qu'il y a certaines technologies qui sont utilisées comme armes. Et dans ce contexte, il faut assumer nos responsabilités. Parce que sinon, nous risquons une fragmentation et des effets néfastes pour le développement économique et social. Et cela entraînerait des dégâts pour les sociétés. Donc, dans cette discussion, nous devons. très bien Très clairement identifier quels sont les, défis, les, les conflits et les déficits. Je voudrais encore une fois répéter que tout cela est très compliqué. C'est très difficile à cerner parce qu'il ne s'agit uniquement d'Internet il s'agit aussi des droits des victimes. Et euh, il est très important de maintenir le débat, les discussions sur ces, ces, ces sujets. Bien évidemment, il serait plus facile d'attribuer la, la responsabilité euh, aux seules entreprises, mais ça ne serait pas une approche viable. À mon avis, nous avons besoin de plus de recherches, plus euh, de recherche, notamment euh, dans le contexte des langues, et quels sont les outils euh, qui sont à notre disposition. Les gouvernements devrait par ailleurs promouvoir les compétences numériques. Donc il faudrait penser à un système de, de premier secours, pour ainsi dire. Mais à, à l'heure actuelle, cela ne fonctionne pas suffisamment. Je voudrais juste faire un seul commentaire. Très souvent, il y a des malentendus concernant les législations, ce qui entraîne des actions plutôt conservatrices de la part des gouvernements. C'est la raison pour laquelle il faut mettre l'accent sur une coopération entre les recherches, euh, entre les chercheurs et les gouvernements. Très souvent, on aimerait bien partager les informations, mais on a l'impression... Euh, c'est pas possible parce que ça serait éventuellement illicite. Et très souvent, il y a aussi des flous juridiques. Et je voulais également euh, soulever un autre point. Dans nos efforts, une chose est très importante. Nous, nous sommes réunis parce que nous pensons que l'IGF constitue un forum très important. Parce qu'il permet de réunir des personnalités éminentes. Et c'est pour cela que nous pensons que l'IGF devrait également à l'avenir se concentrer sur ce sujet d'actualité. Définir les contenus terroristes, ça c'est un énorme défi. Ça c'est un des sujets qu'il faut mettre sur l'ordre des jours. Mais qu'en est-il de la réussite de ces recherches Nous avons déjà discuté des rôles, des rôles et des responsabilités. À mon avis, les questions pertinentes concernent la question de savoir si on souhaite avoir un Internet qui est donc un exemple de contenu douteux et est-ce que c'est au gouvernement de définir un tel Internet ou est-ce que nous préférons des utilisateurs qui sont capables de différencier, de gérer de manière responsable les contenus douteux à mon avis, effacer les contenus n'est hein, pas conforme, dans la plupart des cas, avec notre conviction euh, qu'il est essentiel de maintenir la liberté. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut trouver un équilibre entre la sécurité le besoin de nécessité des utilisateurs. Et la liberté d'opinion. Et cet équilibre, eh bien, il est très difficile à atteindre. Je pense que les gouvernements doivent prendre des décisions, que ce soit tout seul ou en coopération avec d'autres gouvernements. Et ces décisions peuvent être décisives pour l'avenir d'Internet. Nous soutenons le rôle efficace et productif de ce forum. Et nous espérons que le IGF, qui sera organisé en Pologne l'année prochaine, va encore une fois mettre euh, ce sujet sur l'ordre du jour. Je pense qu'il faut faire. une distinction très strict ou être très très clair euh, de ce que nous définissons comme étant, qu'en faisant partie de la liberté d'expression ou d'opinion et des contenus illicites. Ça, c'est très difficile. Cette opération est très difficile à opérer. Je suis d'accord. Avec ce qui vient d'être dit, il ne faut pas laisser la responsabilité uniquement aux plateformes. Nous avons besoin d'une coopération de l'ensemble des acteurs. Nous avons justement besoin de cette approche multipartite et nous devons développer un système. Et grâce à ce système, les gouvernements peuvent mieux agir. Merci, je vous remercie tous. Je pense que cette discussion a montré qu'il y a des points très importants, il y a des perspectives tout à fait différentes. Le forum, un forum tel que l'IGF, réunit différents acteurs et cela est très utile. C'est une approche très précieuse. Bien entendu, peut-être on ne peut pas se mettre d'accord euh, sur tous les points, mais au moins on peut apprendre les uns des autres et en tirer les meilleures pratiques pour faciliter un, un dialogue entre les différents acteurs. Cela nous permettra également de peaufiner notre politique hein, à nous. Je vous remercie tous et à tout à l'heure.